Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de APS Shakers. Le meilleur des mondes, quelques grandes entreprises. Moi, j'ai dû bosser pour elles. J'appartenais à une unité d'élite. Les gens. J'arrive pas à lire! Parce que tout ne fait que commencer concrètement. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de APS Shakers. Aujourd'hui nous allons jouer à un jeu qui s'appelle Cyberica. Et donc vous savez comment ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à mettre un pouce bleu. Et quant à nous, vous connaissez la chanson. Ok, alors nous revoilà. On va devoir créer notre personnage. Je suis obligé d'être une fille. Non, non, je suis obligé. Je peux être un garçon si je veux. Ok. Ok, on sera un homme. Alors là, il est beau gosse. Alors là, il est beau garçon. Ok, bon, bref, je m'en fous. Allez, c'est parti, let's go! Il faut bien penser à manger régulièrement car la faim réduit la santé au max. Lol. Maudit. Ah, maudit augmenté, ma tête me fait un mal de chien. Cet endroit est une vraie poubelle, mais le GPS dit que c'est une bonne adresse. C'est la bonne adresse. Le bureau doit être à proximité, je dois juste trouver l'entrée. Ok, on commence déjà. Après, je trouve le jeu hyper joli, les gens. Franchement, j'aime bien. Ça me fait penser à Cyberpunk 2077, en fait. C'est un peu le même principe et donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Je ne partirai pas avant d'avoir trouvé quelqu'un pour réparer. Où est-ce que je vais trouver moi cette personne? Ce qui est sûr c'est que je peux me battre. Alors je disais que ce jeu me fait penser à Cyberpunk et donc du coup c'est pour ça que lorsque je l'ai vu sur Google Play, je me suis dit que pourquoi ne pas le tester avant tout? Inventaire. Pourquoi ne pas le tester avant tout et donc... Je sais pas, je dirais pas que je suis vraiment déçu, mais ça vient juste à peine de commencer. Ils sont d'abord le bénéfice du doute. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche des bureaux de Makana Biotech. Ah, t'es là pour piller. T'arrives trop tard. On a déjà tout embarqué. Dégage de là. Ah, il me cherche lui. Laisse-moi passer et tout ira bien. Maintenant que t'as commencé à me taper sur les nerfs, ça m'étonnerait. Ah, tu cherches la bagarre avec le Cortez? Bah t'es pas prêt, hein? Petit, gauche, gauche, droite. Sérieusement? Ok, j'ai tout pris. Et donc je fais comment moi pour... Je suis censé passer par où en vrai? Parce que je sais pas. Trouver un moyen de vous infiltrer au siège de... Je fais comment pour m'infiltrer concrètement? Je sais même pas là où je suis censé aller. Oh! Il y a la carte juste ici. J'étais sur la carte et moi je savais même pas.
Bon, bref. Allez, ouvre, 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 cette porte n'a pas le temps. Ok, let's go. Je vais passer par là. Bon, a priori, le jeu, je le trouve pas mal à commencer. Le jeu, je le trouve pas mal. Et bon, comparé aux autres jeux, bah ça va. T'es qui d'abord? Pourquoi Psycho t'a fait entrer? Qui, le type de l'entrée? Il avait l'air fatigué. Ah, ben tu vas le regretter. Non! 2 contre 5, c'est la... 3 contre... 3 contre 1, c'est la tige. Gauche, 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 gauche. C'est ton tour, mec. Je m'équipe de ça. Ok. La santé, c'est au max. Je vais tout prendre. Et toi? Non, perso, je veux prendre ça. C'est bon. Je devrais faire attention aussi à mon inventaire. Le jeu en soi, il est pas mal. Bingo, voilà les bureaux. Je dois m'y introduire. Ok. Let's go, baby. Station de recharge. Les stations de recharge accumulent de l'électricité à partir du réseau électrique. C'est là que le cyberbras devra être rechargé pour être utilisé. Ok. Oh, ça va chier, motherfucker. Ok. Qu'est-ce que je peux ranger? Je peux tout ranger, non? Ok. Par où suis-je censé passer? Je suis censé prendre cette porte-là. Je vais voir s'il n'y a pas d'autre endroit que je suis censé. Non, a priori, je dois passer par là. Ok. Mais tu sais même pas qui je suis. Mais en gros, je me suis infiltré, donc c'est normal. Je vais prendre ça et je vais tout prendre. Ok, doucement. Gauche! Je remarque que dans ce jeu, ils ne sont pas forts. Hein. Ouais. Carrément pas. Voyons voir d'abord ce que je peux trouver ici. Gauche! 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 Je vais manger ça. Ok, je vais te prendre. Ici, c'est pour ranger les trucs dans mon inventaire. Ok, je vais ouvrir cette porte-là. T'es qui toi? Et comment t'es arrivé? Et comment t'es arrivé ici? Incroyable, ça a fonctionné. Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas marché? Mais attends, je te connais. Tu es le PDG de la boîte. Kay? Kay Poxman, précisément. Et tu as le privilège d'assister à ma révolution scientifique. Mais tu es mort. De ma pluie? Non! Mais tu es mort, c'est ce qu'ils disent partout. Ta boîte a fait faillite. Et tu t'es... tiré une balle? Ouais, loin de là.
Laisse-moi juste me connecter à Internet. Quoi? On est en... On est quoi? On est en 2084? C'est... Non, 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 non. On est en 2021, mec. Et si tu m'expliquais pourquoi je m'adressais à un fantôme? Tu me sors ça alors je viens de t'apprendre que je suis mort? Oh, les gens de WhatsApp, je vous jure. Bon, ok, on t'a installé une puce dans la tête il y a 5 ans pour te sauver la vie, j'ai juste. Et si tu trouves que cette. Et si et se trouve que cette même puce contenait une autre conscience, la mienne, ou plutôt une sauvegarde, au cas où. Et apparemment, cette conscience sauvegardée se serait activée après la mort du vrai moi. Fascinant. Barre-toi de ma tête maintenant. Je kiffe trop mon personnage. Ah oui? À ce sujet, j'ai peur de devoir refuser. Vois-tu, tu ne serais plus de ce monde sans cette puce. Et d'autres termes, tu as une dette envers moi. Sauf que ma tête est pas un hôtel pour milliardaires morts. Je te jure, quoi. Crois-moi, je préférerais ma propre tête aussi. Enfoiré, tu es mercenaire, c'est ça? Bon, il se trouve que j'aimerais t'embaucher. Rends-moi quelques services et je te laisserai tranquille. J'ajouterai même plus de crédits que tu ne pourrais compter en bonus. Alors, quel genre de service? Pas ici. Tu as assez attiré l'attention pour aujourd'hui. Mon appartement secret est juste à côté. Personne d'autre que moi n'est au courant. Alors, on est sûr en sécurité. Vas-y, on en discutera sur place. Quel appartement secret? Oh. Le siège de Makana Biotech. Ok, ordinateur. Un ordinateur doté d'un système d'exploitation spécial. Ils sont sérieux de me faire des coups comme ça? C'est ça sa chambre? Enfin, sa maison, concrètement, je suppose, je crois. T'as mis c'est grand ici. Comment je. Ah, je peux utiliser la carte. Je suis bête. Ah, je suis sûr que c'est pas. C'est ici que je dois aller en fait. Ok. Bref, je sais pas comment on peut passer derrière, mais je m'en fous. Ok. Appartement, carte d'accès. Eh mais! Mais! C'est quoi? Non! Je suis pas d'accord, tu peux pas me balancer dans. J'ai pas mon permis! Tu peux pas me balancer dans une voiture comme ça, ça marche pas. La nourriture permet non seulement de ne plus avoir faim, mais elle améliore aussi. Superbe endroit, tous les milliardaires vivent comme ça ou c'est toi qui te la joues anti-conformisme? Cet appartement a tout ce qu'il faut, discrétion comprise. J'avoue que personne oserait mettre le pied dans une décharge pareille. Heureux qu'il te plaise, tu peux rester aussi longtemps que nécessaire. Je ne l'ai pas mentionné dans mon testament, donc il est tout à toi. Tu sous-entends que je vais devoir rester ici un moment? Tu m'as parlé de service à rendre. Tu veux que je te fasse quoi au juste? Bon, voilà la situation. À en croire les infos, je me suis donné la mort après que mon entreprise a fait faillite, c'est ça? Je vois deux incohérences là-dedans. La première est que mon entreprise n'aurait jamais fait faillite. La deuxième, je ne serais jamais passé au suicide, même si ça avait été le cas. En gros, toute cette histoire n'est qu'une grosse mascarade. Quelqu'un a détruit mon œuvre avant de me liquider et je veux que tu trouves ce quelqu'un. Tu dis être une copie de toi-même de 5 ans, sauf que beaucoup de choses peuvent arriver en 5 ans. Et si tu avais juste perdu la boule? Crois-moi, j'ai toujours été bien dans mes pompes. Enfin, jusqu'à maintenant, dirons-nous. J'aime bien l'histoire du jeu en fait. Il me balance des missions comme ça, moi j'adore.
Sauf que le gameplay, je l'aime bien, mais les combats, non, pas du tout. Hein. Les combats sont juste nasses. Lève le voile sur cette affaire et je te récompenserai grassement pour que tu n'aies plus à travailler un seul jour de plus. Sans oublier que je quitterai ta tête définitivement, ça te va? Comment je vais faire pour me payer si... si bref. Et si je refuse? Je suis dans ta tête, je peux t'aider ou faire de ta vie un enfer. Fais juste ton boulot et ciao. Lol. Comme si j'avais le choix. Par où dois-je commencer? On va d'abord avoir besoin de cet ordinateur. Répare-le, les pièces doivent être quelque part dans le casier d'à côté. Ok. Bon, bah, c'était juste. En fait, je voulais juste tester le jeu pour voir comment il était. Je suis pas sûr que le jeu vous plaise tant que ça, mais moi, je vais m'arrêter là. Et bah, les amis, si vous avez apprécié découvrir avec moi Cyberica, n'hésitez pas à mettre beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo. Si vous voulez découvrir la fin de ce jeu et si vous l'aimez bien, si vous voulez le continuer avec moi, bah, mettez un maximum de pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je pourrais sortir. Je crois que je jouerai à Granny peut-être, à Granny 3 peut-être demain. Enfin, si j'ai le temps. Et donc, vu que c'était juste un let's play découvert là-dessus, c'était pas vraiment du 100% en fait que je voulais faire ce jeu. Je me suis dit que bof, c'est un jeu à la cyberpunk, donc peut-être que ça pourrait intéresser, mais. Bon, moi perso, j'ai trouvé ça pas mal. Mais je sais pas vous, peut-être que vous, ça vous intéresserait. Et donc, je parle beaucoup trop lorsque je termine un jeu, je trouve. Et donc, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Quant à nous, on se retrouve. Allez, pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Ciao!